Je n'ai pas attendu le Covid pour faire du vélo, mais force est de constater qu'ici à Amiens, on est de plus en plus nombreux à se déplacer avec ce moyen de transport. Phénomène de mode ou réel souci écologique, les adeptes de cette mobilité douce ont poussé bon nombre d'agglomérations à réagir et à reconsidérer la place du cycliste dans l'espace urbain. Bon, chez nous ça a suscité des débats, on a fait quelques efforts, on a testé, on a jeté, on a surtout enlevé. Pour comprendre vraiment de quoi je parle, je vous propose de me suivre jusqu'à la mairie et de revoir ces endroits qui nous prouvent qu'on n'a vraiment pas pensé au vélo quand on a aménagé la ville. Ce petit parcours d'un kilomètre cinq entre la briqueterie et la mairie est semé d'embûches. Démonstration. On commence par la rue Lescouvé. J'emprunte gentiment la voie des automobilistes, normal, tout va bien, on est dans un quartier calme. Je passe devant la nouvelle cité EDF, rue Maquévillon, pour rejoindre l'avenue Foy. Hop là. Là tout de suite, on a tous quelque chose à dire. La voie réservée aux cyclistes se trouve devant les places de voiture. Au quotidien, je peux vous l'assurer, c'est dangereux. Une voiture sort, vous la prenez à gauche comme à droite. Bref, double risque. L'aménagement des pistes derrière les places de parking est un peu plus sensé et beaucoup plus tranquillisant pour tout le monde. Faut-il déjà penser aux cyclistes quand on construit la route? Voilà, un gros problème arrive. Carrefour de l'avenue Foy, place Foch, pas d'inscription sur les voies, ni mobilistes, ni pour les cyclistes. Les bus arrivent devant et derrière moi, je risque de me faire ratatiner à chaque fois, comme d'habitude je risque, ça passe. Je me retrouve sur une place en îlot que je dois traverser en utilisant l'espace piéton, logique. Ça a son charme de voir à l'horaire perdu les automobilistes immatriculés dans d'autres régions s'engouffrer dans cette voie réservée exclusivement aux bus, jusqu'au jour où ce sera le drame. Faut avouer, j'aurais pu faire le tour de la place et patienter durant les trois feux tricolores qui me séparent de ce passage piéton pour me retrouver parmi les voitures. Les cyclistes ont un esprit pratique, surtout quand aucune signalisation n'est présente. Si l'usage ne fait pas forcément la règle doit pourtant s'adapter à l'usage. Ici, on n'a toujours pas réussi à trancher et une fois grimpé sur l'espace piéton, il faudra attendre ce carrefour pour y descendre. On retrouvera plusieurs centaines de mètres plus loin la signalisation. À ce stade, j'ai parcouru 900 mètres à peine, franchi un carrefour dangereux, utilisé une seule piste cyclable discontinue, slalomée entre des pots de fleurs et des gens, roulé sur les trottoirs, repris la route traditionnelle. D'après l'épreuve du slalom, les pavés de la maison de la culture, des pots de fleurs échoués comme des paquebots et une piste cyclable discontinue. Pourtant, on ne pouvait pas dire qu'on ne pouvait pas prévoir le coup, puisque une station de vélo en libre-service est installée sur la place. Donc retour avec les piétons sans rien demander, je slalome encore, évite les gens et les panneaux, mais je suis arrivé. Bref, vous l'aurez compris, ce chemin parsemé d'embûches et de ruptures, aussi court soit-il, est dangereux. Il reflète également l'absence de prise en compte des cyclistes par les pouvoirs publics lors des différentes phases d'aménagement de la ville. Ajouter un simple panneau ou une signalisation quelconque est-il suffisant? Associations, journalistes, internautes réagissent souvent sur ce sujet. Manque d'aménagement, sensation d'insécurité, hausse des accidents, les arguments pour redéfinir les voiries sont pléthoriques. L'augmentation du nombre de cyclistes et sa promotion nécessaire à Amiens ne forcerait-elle pas les politiques à considérer davantage ce moyen de transport dans l'espace public? Les années 70 ont donné la ville aux voitures, mais en 2020, si Amiens n'est pas encore au vélo, la préoccupation est pourtant bien présente, comme en témoigne la toute nouvelle délégation de la promotion du vélo octroyée par Brigitte Fourré, maire d'Amiens, à Bruno Vianney. Reste à savoir si ces nouveaux adeptes amiennois seront assez exigeants pour demander plus que 3 coups de peinture et 2 panneaux pour rouler en toute sécurité.